Attrape cannelle, t'es madame, ex citronnelle. Ajoute verveine, si des petits broches marjolaine. Castrol de l'eau, t'es madame, décorche benjoin. Ex citron vert, ajoute de miel, s'il est amer. Attrape cannelle, t'es madame, ex citronnelle. Ajoute verveine, si des petits broches marjolaine. Castrol de l'eau, t'es madame, décorche benjoin. Ex citron vert, ajoute de miel, s'il est amer. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le président du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, mesdames et messieurs les partenaires, mesdames et messieurs, chers invités, je suis honorée d'être à vos côtés aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Je vous prie d'excuser le président du conseil départemental, M. Cyril Melchior, qui n'a pas pu être présent en raison d'impératifs liés à son agenda. Je tiens en tout premier lieu à vous remercier, M. le président, d'associer le département à cette manifestation qui, cette année, nous permettra d'échanger et de faire valoir nos diabases, qui sont au cœur même des traditions réunionnaises. Toutes les civilisations se sont bâties sur des croyances et des pratiques partagées, notamment autour des plantes qui possèdent d'immenses pouvoirs. À la fois adulées et craintes, les herbases sont un élément fondamental de la société réunionnaise. Elles demeurent un monde de mystère que chacun appréhende à sa manière, sans pour autant lever le voile du secret, car, au fond, ce mystère nous plaît, car il fonde la légende de nos herbases pays. Aussi, en cette journée où vous avez décidé, Monsieur le Président, de mettre en lumière cette tradition bien réunionnaise, permettez-moi de saluer cette initiative qui promeut un meilleur partage des connaissances autour de cette thématique. C'est un sujet qui nous tient à cœur au département. D'abord, pour son importance culturelle majeure, qui en fait un sujet de discussion, de débat et surtout de valorisation culturelle, puisque les herbases ont été comptées, narrées et même chantées. Les herbases interpellent tous les artistes, nombreux à en faire l'objet de leur création. Les herbases sont importants aussi dans leur dimension économique, puisisqu'ils regorgent d'immenses potentialités à condition de structurer et de coordonner l'action du secteur. C'est en vertu de cette ambition que le département a validé en 2020 une feuille de route visant à valoriser et consolider la filière des plantes à parfum et médicinales, connue sous le nom de filière PAPAM. Notre plan d'action est bâti autour de 5 axes stratégiques. Consolider la structuration de la filière PAPAM, optimiser la valeur ajoutée économique à La Réunion, renforcer la recherche et le développement et les connaissances scientifiques, développer les territoires grâce au PAPAM et enfin protéger la biodiversité réunionnaise. Je tiens à préciser à propos de cette stratégie qu'il ne s'agit pas de mettre fin à tout ce qui fait la singularité et le folklore de nos herbases. Il s'agit avant tout de créer un cadre, de favoriser son acceptation et sa reconnaissance par les autorités afin d'amplifier son usage et son développement sur notre territoire, voire au-delà. Il n'y a pas d'opposition entre préservation d'une culture ancestrale et développement d'une filière innovante. Nous voulons bâtir une saine complémentarité entre ces deux ambitions qui visent avant tout à ce que nos traditions puissent perdurer et les Réunionnais davantage s'approprier cet élément majeur de la culture réunionnaise. Aussi, nous tenons encore une fois à saluer la tenue de cet événement pour un bel échange, je partage, et beaucoup de richesses humaines et culturelles. Je vous remercie pour votre attention. Attrape cannelle, t'es madame, ex citronnelle.
Ajoute des avennes, si des petits broches marjolaines. Castrole de l'eau, t'es madame, des gorges besoin. Excitant vert, ajoute de miel s'il est amer.